Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur Resident Evil Révélation de Mode Commando. Donc aujourd'hui c'est pas Cypher, donc c'est parfait. On va pouvoir du coup utiliser deux personnages. Donc c'était vraiment exceptionnel hein, que je fais justement une mission d'opération pour la mission du jour. C'était vraiment pour remplacer justement le contenu que j'aurais dû normalement proposer avec Cypher si j'aurais voulu le faire. Mais comme je vous l'ai dit, ce personnage là c'est du niveau 1 au niveau 100. Donc c'est Moira aujourd'hui. Et on va prendre Léon tout de suite, pour commencer la première mission, hein, bien évidemment. C'est parti, allez mon petit Léon. On doit tout donner. Donc on verra bien comment ça va se passer, j'espère que ça ira. Ce sera pas trop compliqué. On verra bien. Donc les ennemis d'élite apportent forcément plus d'or et plus d'expérience. Nous le savons. Ce niveau-là... trop moyen. Vous l'appréciez plus quand vous faites des week-ends de survie. Il est plutôt terrible. Ah, dommage. Ah bah très bien en fait. Ça m'a permis de mettre une petite doublette. Bah voilà. Double hit, un mort par contre. Alors on va se méfier. Parfait. Encore. Ah dommage. J'aurais bien voulu toucher les deux d'un coup. Là j'ai raté. Lui il est mort. Ah j'ai pris quand même un petit coup. Le slinger m'a eu. D'accord. Ah, je pensais qu'il allait pas m'avoir. Ok, je peux l'avoir au coup de couteau, je savais pas. Ça par contre, c'est une découverte. Bon là, faut pas avoir peur, hein, de temps en temps, faut aussi porter ses balls. Ouais, pourquoi pas. Surtout l'ennemi que je tuais, voilà. Lui, ça va aller. On va juste prendre le fusil de précision et on n'en parlera plus. T'as de la chance. Ils t'ont laissé un peu de répit. Malheureusement, ce sera pas aussi loin. Dommage pour lui. Le feu! Que le feu touche le napad! Oh bah. C'est pas le napad qui a été touché, hein. C'est les deux. Ça va, niveau qui va être assez rapide, j'ai l'impression. Parfait. Dans mon dos. Faut vraiment que je tue d'abord les hunters? Bon, oh, d'accord. Hein. Je sais qu'il est derrière moi. Très bien. Ok. Le petit coup de couteau, hein, bien évidemment. Voilà, on peut finir les slingers avec un coup de couteau. C'est sympa. Donc là, on va voir combien de niveaux on va prendre. Là, je pense pas que ce sera 4 niveaux. Hein. Max, c'est 3 niveaux. Mais là, je pense pas qu'on va avoir peut-être les 3 niveaux. Je pense pas. Là. Ça dépend. Bon bah si, on a 3 niveaux. Parfait, niveau 44, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool par contre. J'apprécie. Ça a été rapide, maintenant on va voir avec Moira si on va être aussi rapide. Peut-être, peut-être pas. Mode commando, vous pouvez... Vous devez détruire une arme pour récupérer ses éléments. Ou détruire les éléments pour récupérer l'arme. Grosso merde, c'est ça. Let's go. Bon, bah Moira. Hein. Oh non. De toute façon, j'ai pas encore le costume et je le trouve pas si terrible que ça, en fait. Le costume que l'on doit acheter avec Moira, enfin, c'est pas obligatoire pour ceux qui l'ont acheté.
il est pas non plus oufissime. On peut même pas utiliser le katana, quoi. On est obligé d'utiliser un couteau. C'est pas réaliste. Voyons. Katana dans le dos, bah non, j'utilise un couteau. Parce que j'ai pas envie d'utiliser de katana. Voilà. Deux pour le prix d'un. Ah, mais de rien, ça peut m'augmenter la précision en faisant ça. À moins que les balles de fusil à pompe, quand elles sont trop dispersées, ça compte pas de... Dans la... Enfin, ça compte comme une précision enlevée, je ne sais pas. J'espère pas, en tout cas. Sinon, ce serait vraiment triste. Ok. C'est pas grave. On peut les avoir facilement ici. Là, l'autre, il arrive. Hein. On sait. Alors, il se déclenche vraiment... Ah, d'accord. Je pensais qu'il allait arriver avant, mais non, pas du tout. Ils veulent pas le déclencher avant. Bah, c'est pas grave. Il va mourir plus rapidement qu'on ne le pense. Hein. Pas de soucis. Bon, en fait, on n'a pas besoin de cela. Hein. Boum. C'est vrai que j'aimais bien me mettre ici. Mais vers la fin, je vous conseille quand même d'être en haut. Pour être peinard. Mais il va bouger. Faut pas hésiter. Si vous hésitez, c'est la malheur. Là, par exemple, je devrais commencer à monter. Parce qu'à 24, c'est terminé. Ah, il était en bas? Je pensais pas. Très bien. Ah, 23, pardon. Je pensais que c'était 24. C'est vrai, on en tue 5 ici. C'est après qu'on en tue 4. My bad. Ça arrive de se tromper. Ça arrive, c'est grave. Boum. Boum. D'accord, bon, les deux se dispersent, c'est pas très grave. Par contre, lui, il aurait pu venir. Ah, dommage. Ça aurait pu le tuer. C'était vraiment passé tout près de lui, par contre. Hein. Vraiment proche. Ah, j'ai calé un petit headshot, en plus. Ouais, pour faire autant de coups, c'est un headshot, hein, forcément. Ça calme. Oh, comment j'ai pu rater. J'aurais pas dû prendre le snipe pour le dernier. Tant pis, c'est pas grave. Voilà. Bon, ça a été plutôt rapide. Ça va. Mais c'est vrai qu'on les one-shot tous, donc c'est ça qui est cool. Parce que du coup, on a enfin de la force au niveau de nos armes. Moira, ben, 56. C'est très bien, 56. Ça monte progressivement. C'est ça qui est cool. Éventuellement, j'aurais pu prendre Claire pour une chose, pour améliorer son habilité de Magnum, mais bon. Si je dois l'améliorer, je pense que c'est le mieux de faire avec justement le personnage Barry. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. On se retrouve donc pour de prochaines aventures sur Resident Evil Révélation 2. Allez, salut à tous les amis.